Moi, je suis super content de vous présenter Anaïs, pour ceux qui la connaissent pas, pour ceux qui la connaissent déjà. Bonjour, bonjour Anaïs. Bonjour Anaïs. Ça c'est bien. Non, c'est vrai. Trop, un, deux, trois. Bonjour Anaïs. C'est bien. Hein. Bon, bah écoutez, déjà merci à Pat hein, pour l'invitation. Hein. Et puis, aujourd'hui, on va parler d'un truc, un problème que j'ai eu pas mal, que j'ai vu chez pas mal de mes élèves. Alors, peut-être que c'est pas tous votre cas, peut-être que ça vous concerne aussi. C'est le fait de tourner beaucoup en rond sur la pinta ou de vouloir improviser, mais que vous savez pas trop quoi faire et que, en fait, vous avez l'impression de tourner en rond, de faire 50 fois la même chose. Et est-ce que déjà vous êtes dans ce cas-là? Oui, légèrement, ouais. Clairement. C'est quoi la pinta? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui vous ont des choses que vous aimeriez partager ou des petites questions là comme ça là-dessus, des problèmes, des blocages là-dessus que vous auriez par rapport à... Donc par exemple, vous voulez improviser et vous voulez faire quelque chose mais vous êtes bloqué, vous savez pas trop quoi faire. Vous savez pas. Passer d'une position à l'autre. Ouais. Avoir des. Utiliser les bands. Ouais. Dans les bonnes cases. C'est pas évident. Oui. Pour les pantas. C'est assez juste. Ouais. Et les effets de jeu, même si ça soit une panta, et aussi la gamme mineure blues, on peut rajouter une autre. Ok. Bah, en général, c'est les questionnements que moi j'ai, en tout cas, quand j'ai donné des cours, que j'ai eu le plus souvent. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ça, mais avant, je vais un petit peu vous raconter mon historique, mon histoire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là. Moi, j'ai commencé la guitare quand j'avais 11 ans, et j'ai pris des cours avec un prof, directement. Et en fait, quand j'ai commencé la guitare, j'étais pas sérieuse dans le sens où je détestais l'école. Pour moi, c'était une catastrophe d'aller à l'école... J'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie d'apprendre la conjugaison, l'orthographe, le machin, le truc. Ça m'a toujours gonflé, quoi. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans mon apprentissage de la guitare, ça m'a apporté des trucs, ça m'a enlevé des trucs aussi, mais au début, en tout cas, ça m'a apporté des choses, dans le sens où, moi, quand je rentrais chez moi, que je prenais ma guitare, j'avais pas envie de me faire chier à refaire conjugaison, orthographe, machin, en gros, apprendre toutes les gammes par cœur, apprendre à bien travailler au métronome de façon stricte, apprendre telle ou telle technique, telle ou telle mode. Mais ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, j'ai tourné en rond aussi, moi, sur ma pauvre pinta. Là-dessus... je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, tu vois? Si j'ai pas envie d'apprendre 250 000 modes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, je suis pas si vieille que ça, j'ai 27 ans, mais mine de rien, quand j'ai commencé, il y avait pas les tutos YouTube et tout ce bazar-là, quoi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris la guitare avec mon prof particulier au début, et puis après, j'ai beaucoup joué toute seule dans ma chambre, en étant décédée, en essayant de reproduire les sons... Et j'ai passé des heures et des heures sur ma guitare à essayer de faire le bend. Genre le bend dans Crazy Train ou des trucs comme ça. À essayer de vraiment reproduire juste ce son-là. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si j'apprenais pas plus de modes, si j'apprenais pas plus de trucs, c'était pas si grave que ça, en tout cas au début. Parce que... ça m'a permis de développer justement cette espèce de son à la guitare, du son dans les doigts, on dira, et de bosser vachement plus ça, et d'avoir ça avant même de savoir faire 200 000 notes à la seconde. Et je me suis rendu compte que c'est pas seulement dans les notes qu'on va jouer, c'est pas seulement là-dessus qu'on peut changer notre jeu et qu'on peut arrêter de tourner en rond. C'est aussi sur... Eh bien, comme tu as dit tout à l'heure, sur les bends, sur le fait de se repérer un petit peu mieux sur le manche, sur le fait d'ajouter des effets de jeu un petit peu différents. Et c'est ce que j'ai travaillé dans un premier temps. Après, j'ai été à la MAI et après, j'ai fait ce travail qui sert quand même de travailler au métronome, de travailler des gammes, etc. Mais
j'ai pas eu trop ce problème de je tourne en rond sur la Pinta, je vais apprendre du coup le mode éolien, puis bah après en fait ce que je vais faire c'est que je vais tourner en rond sur le mode éolien. Parce que du coup, ce qu'on a tendance à faire, c'est quand on apprend un schéma, on va juste le répéter en fait. Ça va être toujours le même schéma et on va ressortir toujours exactement les mêmes notes. Et si on apprend une gamme par cœur, bah, ça va faire la même chose en fait. On sera toujours bloqué sur cette gamme et on n'arrivera toujours pas à tirer de la musicalité de ce qu'on fait.